Et salut tout le monde, c'est Zero qui est bienvenue aujourd'hui. Punti, salut Punti, ça va? Salut! Ça va et toi? L'intro complètement WTF. Bah ouais, moi ça va, ça va, enfin, ça Merde. va. Ça va bien. Alors, on a beaucoup de Cool. choses à vous dire. Beaucoup de choses. C'est ça que je voulais faire, hein. Je t'ai Oui. senti. Donc, alors, on a pas mal de trucs à vous dire. Premièrement, on va vous parler de notre absence, parce que ça fait quasiment 2 mois qu'on apparaît. Ouais, c'est ça. Sur en tout cas, cette série. Donc, oui, j'ai pas précisé, mais épisode 4. Bien sûr. Et du coup, on a eu un petit problème, c'est-à-dire que Petit donc bug. on a eu un petit bug en fait quand on a resave la map. On a save la map, on l'a mis sur un autre serveur, et en fait le problème c'est que voilà. Extra Voilà, bois, extra extra mine. bois. Et il y a marqué ça partout. Alors là, je sais pas si. Voilà, extra Punky, extra Zerok, extra. Bah ben, c'est même pas Zerok, c'est C'est zéro. zéro et poun. Extra Poon, bon, Voilà. ils nous Extra considèrent comme poun. leur dieu, tu vois, comme Ouais, extra, voilà. bon voilà, après, Ça aurait pu être n'importe quel mot, mais c'était extra, donc. voilà, extraordinaire. Bref. Donc on a eu des petits problèmes du coup pour la map. Alors les panneaux se sont renommés. Et on a eu un autre problème, c'est que on a perdu tout le contenu de nos coffres. Voilà. Alors juste nos coffres, le reste on n'a pas perdu. Et le petit problème, c'est que on a perdu, on a tout perdu. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la vidéo épisode 3. Ouais. Et on s'est retrouvé en fait. On pouvait regarder, rien ne vient voir dans le coffre. Hein. On n'a rien rajouté de plus. On a tout là, puis on a tout rangé, et voilà. Et Ouais. si un truc qu'on a précisé de. Qu'on n'a pas précisé. Qu'on vous a pas dit. J'ai farmé le bois en off, par contre. Bah, on va leur dire. Hein. Si vous voulez, on avait déjà rec cette vidéo. Sauf que le problème, c'est que Poon a eu un problème avec son rec, et du coup, en fait, on a rec que 7 secondes. Alors, on Voilà, a eu un peu le c'est seum. extra. Du coup, on est parti rec une autre vidéo en attendant, parce que moi, ça m'avait un peu saoulé. Du coup, pour me détendre, on a changé de série. Et du coup, on a les rec sur une nouvelle vidéo. Que ça va, elle va arriver. Cette vidéo va arriver juste après celle-ci. Enfin, je vous ai expliqué ça au cours de cette vidéo, puisque cette vidéo va vraiment être une vidéo blabla. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, ouais, qu'est-ce que je disais déjà? Je ne sais plus. Oui, on s'est tout give. Et puis, du coup, dans l'autre vidéo, ce qu'on avait fait, c'est que j'étais allé chercher 4 de psy. Alors, je sais pas où ils sont là. J'étais allé chercher 4 de psy et j'avais fait du blé. Toi, t'étais allé chercher Ouais, du j'avais fait un bois. peu. J'ai fait une construction là-bas. Qu'est-ce que t'as fait? Que je vous montrerai. Le petit jardin là. Parce qu'on voulait ramener des animaux. Ah oui, donc oui, on va Donc t'as ramener les des carottes, animaux. On va... blé. Sur cet épisode, on va Voilà. parler. Puis en même temps, Poon, je te propose que tu fasses la ferme. Moi, je vais t'aider aussi à Ouais. ramener les animaux, machin. C'est un petit bâtiment tout simple avec. On va faire ici. Et du coup voilà, et on va vous expliquer donc réellement pourquoi on est parti. Donc Poon, je te laisse parler, hein. Je te laisse dire pourquoi toi t'as été absent pendant 2 mois. Ouais. Donc déjà c'est l'été, donc je suis partie pas mal en vacances. Ensuite en rentrant j'ai décidé de faire un break parce que les mini-jeux me saoulaient, donc les rushs ça me saoulait, les Hunger Games pareil. Et je préférais faire voilà comme une série comme ça, une survie au calme. Et Posé. donc j'ai un peu laissé tomber pour l'instant les mini-jeux. Parce que la communauté me saoule et puis après je suis. Enfin, à force de toujours jouer au même jeu, on est un peu lassé. Ensuite, le truc super chiant, au moment où j'étais motivée pour reprendre et tout les vidéos, mon micro mort. Son micro Donc, lâche. voilà, mon micro-casque lâche. Donc je l'ai envoyé, parce qu'il était encore sous garantie, mais enfin bref, on s'en fout. Et ça a mis 2 semaines à me renvoyer un nouveau. Donc faire des vidéos sans micro c'est un peu chiant. Effectivement, c'est assez dur. Voilà. Et donc voilà. Voilà pour mes petits tracas. Voilà pour Poon, ouais, du coup, bah, on pouvait paraître quoi, mais bon, c'est. Je sais pas quoi dire en fait. En plus, De... on sait que c'est une série qui vous plaît, donc ça nous a un peu fait chier de pas pouvoir la règle, et Ah puis ben même c'est clair nous. que moi perso j'étais frustrée hein, sans Ouais. micro. Bah ouais, puis même nous on aime bien tourner sur cette série, c'est vrai que là on est vachement bien motivé, on connaît nos objectifs, on sait ce qu'on va rajouter comme. Enfin, on sait pas encore ce qu'on va rajouter comme objectif, mais on va en rajouter. Et puis en plus, c'est une aventure en fait, cette map, c'est vraiment une map où il y a moyen qu'on invite des gens. Ça, j'en avais déjà parlé vite fait, Ouais, Poon, je sais pas si c'est tu t'en rappelles, mais vraiment vite fait.
Et du coup, moi, je sais que j'ai des gens dans ma tête que je pourrais. T'as des gens dans ta tête. Ouah, je Bien suis pas tout seul sûr. dans ma tête, quoi. Non, mais j'ai des gens. Enfin, j'ai déjà des idées de gens qu'on pourrait inviter. Soit invités, Je sais soit pas qui si. pourraient continuer l'aventure avec nous. Savoir avec nous, parce que je n'en ai pas parlé encore. Oui. Et je pense que c'est Bah, quelqu'un qui commence par un D et un O. ouais. Et qui disait une phrase, tout ça, parce que voilà. Parce que je suis Te noire. laisse deviner qui c'est. Oui, je Et en sais. fait, j'en ai parlé avec lui, et puis il m'a dit, ouais, je kifferais trop rejoindre votre série, machin, donc je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça pourrait être bien. En plus, il m'a dit qu'il allait rouvrir sa chaîne YouTube parce que il avait 1000 abonnés, je crois, sur son ancienne chaîne, mais il se l'est fait hack. Donc bon. Ah. Voilà. Moi, je vais faire la table d'enchante. Et du coup, oui, bon, je vais vous expliquer moi pourquoi je suis parti. Je suis parti tout simplement parce que déjà j'étais parti en stage pendant 5 semaines. Voilà, 5 semaines de stage. Et après, en fait, Poon m'a dit, ouais, je fais un break MC. Du coup, bah, moi, j'ai dû faire un break. Enfin, moi aussi, je voulais faire une petite pause MC. J'ai fait une pause MC pendant quasiment 2 mois, je crois aussi, hein. Ouais, c'était. C'est un peu pareil en fait. Et puis quand un pote à nous est revenu en fait sur MC, bah je suis revenu aussi. Il est revenu et du coup je suis revenu. Il m'a fait, ouais, Val, je reviens sur MC. Donc je lui fais, bah tu sais quoi, moi aussi je reviens. Parce que c'était un pote que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu. Et par contre, pourquoi je n'ai pas l'achievement? C'est parce que j'ai pas de minute de diamant. En fait, c'est toi qui as miné tous les diamants. Ouais. Donc voilà. Ah voilà, et là si je fais ça. Eh ben non. Et si je fais ça, attends, attends. Ah non, ok, bon, Dommage. d'accord. Ok. Du coup, j'ai fait la table d'enchante. Tac, voilà. On a la table d'enchante. Ah oui, nous sommes dans 1.8. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais moi je me rappelle. Et on n'a pas de lapis, Spoon. Je crois pas, non. On n'avait pas de lapis. Bon, en tout cas, si on en avait, on a oublié de se le regiver. Mais je pense pas qu'on en avait. On ira peut-être voir sur le rec. Alors, du coup, toi, t'en es où? Ça avance tout doucement. Oui, du coup, je parlais de moi, C'est du coup. assez grand là. Oui, je disais du coup, oui, que du coup, j'avais fait une pause MC. Et du coup, bah là, on a repris, on est chaud. Et j'avais fait une pause MC, pourquoi aussi? Bah, parce que voilà, j'en avais marre aussi des mini-jeux. J'en avais surtout marre des rushs, parce que j'ai arrêté les rushs. Ça fait quoi? Ça fait quasiment 3 mois que j'ai arrêté les rushs. Tout simplement parce que les rushs, ça m'a gonflé. Je veux dire, tout simplement, franchement, c'est la communauté est vraiment nulle à chier. C'est plus comme avant en fait, c'est plus vraiment la Dégage. communauté d'avant où. Eh oh. C'est plus la communauté d'avant où. C'est vrai qu'avant, je me rappelle, moi, tout le monde s'entendait bien, enfin, il n'y avait pas de rivalité comme ça, il n'y avait pas de. Ah, full power! Et bah ça. Voilà, je savais même pas ce que ça voulait dire moi avant, alors hein. Et du coup, ouais, il n'y avait pas de ça, et c'est vrai que c'était la bonne époque, et je pense que tous les anciens rushers peuvent le dire, c'était la bonne époque. C'était la bonne époque. Et du coup, voilà, bon. J'ai arrêté les rushs, ça me fait rien en fait. J'ai eu beaucoup de mal à arrêter et en fait maintenant ça me fait plus rien. Et du coup voilà, bon, on est reparti. Du coup, avec Poon, on a arrêté les mini-jeux. C'est vrai que Epicube, j'y vais jamais. Enfin, on a fait une petite vidéo la dernière fois de détente Epicube, mais comme t'as vu, j'ai ragé sur Epicube. Donc, Ouais. en fait, j'ai. C'était pas beau, surtout En fait, pour le clavier. j'ai remarqué que. Enfin, vous allez dire peut-être qu'il se vante le mec, mais plus je prends du level sur un jeu, plus je rage. C'est comme ça, c'est chiant, hein. C'est comme ça. Sur Call of, je rage, j'ai pété une manette. Hey. Alors, je ne vais pas s'étaler là-dessus, hein. Voilà, c'est Call of. Donc voilà, c'est. Voilà. Et du coup, ouais, du coup, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est bien reparti. On repart avec Poon sur une très très bonne. On va dire, on va vraiment essayer de tenir le système de nos vidéos, quoi. De vraiment bien repartir, on va essayer en tout cas. Je pense qu'on va arriver à tenir le rythme. Hein. Oui, je pense aussi. Je sais pas ce que tu en Pas. penses, mais on va y arriver. Je vais mettre une petite table de fête là. Et du coup, voilà, donc on est bien reparti. C'est un peu un épisode blabla. Dans l'épisode qu'on arrête juste avant aussi, c'est. Enfin, en fait, si vous voulez, cet épisode-là, on l'a déjà rec. Si vous avez encore compris, mais sauf qu'on a perdu le rec. Et du coup, c'était pareil, on vous a que de parler, on vous a que de parler, on vous a que de parler. Et on a beaucoup Va de choses pas à. C'est parce que c'est pas. Ouais, bah. Continue dans ce que tu faisais. Bah non mais c'était bon ce que t'avais. C'est Bah oui. juste, y a une colonne. Là c'est 2-2, donc celle-là on va la faire. En tout cas, ton design est pas mal, hein.
Oh, je sais pas. Moi aussi. Je me suis un peu inspiré de ce que t'as fait dans l'autre série. Ouais, l'autre série, alors parlons-en parce que j'en ai parlé, voilà. Parlons-en de l'autre série. Alors l'autre série, c'est un serveur. Tiens, on va vite faire les dodos, s'il te plaît. Ouais. C'est un serveur en fait de la team Azelia. Donc la team Azelia qui est notre team. Et dedans, il y a. C'est pas compliqué, il y a Punti, moi, Vozox et comment il s'appelle et Sevi. Et en fait, si vous voulez, c'est du coup un serveur où on va faire de la survie un peu comme on fait ici, sauf que c'est de la survie à plein quoi. On est vraiment plein sur le serveur, on est 6 je crois sur le serveur. Et du coup en fait sur le but de serveur c'est vraiment de s'amuser, de la détente, de faire puis nous de partager un peu ce qu'on fait sur ce serveur quoi. On va montrer vraiment tout ce qu'on fait sur ce serveur. Donc en fait on fait des farms. Ça, vous en faire des usines à vaches. Ouais, des usines, nos maisons. Après, on peut faire ce qu'on veut. S'il y en a un qui veut faire, je sais pas moi, allez, on va dire vite fait un aquarium, une serre. C'est vraiment libre. Libre d'esprit. Voilà, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, mais il faut que ça reste quand même dans le joli, on va dire. Ah, faut que ça soit bien fait, quoi. Faut avoir un. Voilà. On demande pas des. Pas comme la première maison de Punti, par exemple. Par exemple. Qui était juste horrible. On demande pas des builders pro, etc. Parce que voilà. Parce que je le suis pas. On ne sait pas en faire et puis t'as tout, on t'a pas prêt pour le build, hein, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et j'essaie de la faire tomber. Et du coup, ouais, sur ce serve, c'est vraiment que de la détente, quoi. Enfin, vous allez voir sur la vidéo qui va arriver, c'est vraiment un serveur détente qu'on a lancé il y a une semaine, je crois maintenant. Je voulais, on l'a commencé à 3, on l'a commencé avec Vozox et Sevi. Et puis au final, on a invité Poon. Et ouais, on a invité. Comment tu m'as fait voler. Et on a invité pas mal de nos potes. Donc on a invité, pour ceux qui connaissent, c'est des rushers. On a invité Bridou et on a invité 30K. Ouais. Donc c'est des anciens potes, enfin qui sont toujours potes, hein, mais c'est des gens qu'on connaît depuis un bon moment maintenant. Comme Poon, ça va faire un an qu'on se connaît. Bah, ça fait un an qu'on se connaît. Ça fait un an, ouais. Ça fait un an qu'on se connaît avec Poon et du coup bah voilà hein. C'est vraiment que des gens avec qui on s'entend super bien et comme je disais du coup sur la précédente vidéo bah qu'on a tourné voilà et du coup bah en fait il est possible pour vous de rejoindre ce serveur mais pour rejoindre le serveur en fait c'est tout con, c'est vraiment tout con, c'est que vous devez juste c'est pas comme une candidature en fait si vous voulez, c'est pas compliqué, je vais vous dire ce qu'il faut être mature. Faut avoir, si vous voulez que je vous donne un âge à peu près, ça je suis pas d'accord avec les gens qui disent ouais, si t'as 12 ans t'es un gamin, non. Parce que je connais des gens, ils ont 12 ans, c'est pas des gamins. Hein. Ouais. Mais il est très mature quand il veut, bon quand il veut il fait le gamin, Clonefish, hein, bonjour. Mais ça fait sympa en fait avec la gobelle aussi. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, il faut être mature et voilà, on demande juste ça. Si vous voulez un âge, faut. Moi je dis un âge, je dis 14. 14, après on s'en fout de l'âge. Hein. Ouais, franchement, tant qu'on peut avoir une conversation vraiment normale, on va dire. Ouais, et puis faut pas être un gamin, quoi. Voilà, on peut troll, parce que nous on s'amuse à troll sur le serveur. Hein. On s'amuse à troll, moi Poon je l'ai troll plusieurs fois. Oui. Bri je l'ai troll plusieurs fois. 30K je l'ai troll une fois. Sevi, bon, je compte plus les fois où je l'ai troll. Et Vozog, je l'ai troll plusieurs fois aussi, mais voilà, on se troll un peu tous ensemble, mais. Voilà, c'est marrant, quoi. C'est vraiment famille-famille, quoi. Donc, c'est pour ça, nous. Moi, je veux faire participer les abonnés sur ce truc et sur ce serveur. Et puis, vraiment des gens sérieux, quoi. Donc, si vous êtes sérieux, si vous avez notre Skype à l'un ou à l'autre, vous nous envoyez ça sur Skype, vous nous dites, ouais, j'aimerais bien qu'on voit ça, machin. Donc, Après, voilà, on fait ça de serveur. De toute façon, on a 50 slots. Putain. Pour le moment, on a 50 slots. On peut en mettre beaucoup plus, hein. Mais on a limité à 50 slots. C'est déjà pas mal. Ah oui, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc il reste 5 minutes, on n'a pas fait la petite pause, parce qu'en fait j'avais dit à Poon, à 10 minutes on fait la petite pause pour voir si ça a bien un rec. Mais là il reste 5 minutes, alors je sais pas si tu veux regarder quand même ou pas. Non, pour 5 minutes. 5 minutes, hein. Normalement on devrait avoir l'épisode, sinon on part dans le vide. C'est ça. Donc voilà, du coup on commence la petite ferme. Tu veux que je t'aide ou pas? Il va me manquer du bois. Ouais, bah tu sais quoi,
Je vais rapporter un petit peu de bois. Tu la laisses la cobble? Bah, je sais pas, ça fait bien ou quoi? Je sais pas. Moi, je trouve que ça chope pas avec mon pack. Ouais, non. On Puis laisse? ça fait étable. Enfin, ça fait. Ouais, ça fait bien, je trouve. Bon, du coup, dans cette étape, on mettra quoi? On mettra vache, Bah, cochon. On mettra tous les animaux. Poule. lapin, je sais pas, j'aime pas les lapins. Ouais, j'aime pas trop non plus. Enfin, en fait, genre, quand j'ai vu qu'il y avait des lapins, je me suis dit, wow, des lapins et tout, trop bien. Mais en fait, ça sert à rien. Ouais. Alors, les popos de jump, et encore, tu lootes une fois sur 10. Hein, donc voilà, eux aussi. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, ce que vous allez me dire, mais pourquoi la maison a autant avancé? C'est qu'en off, pas dans l'épisode qu'on a fait, mais en off, j'ai refait. On a fini la maison avec Toon. Je sais pas si tu m'avais aidé. Je sais pas. Je crois que tu m'avais aidé légèrement parce que ouais, ça fait un mois qu'on n'a pas. Un ou deux mois qu'on n'a pas sur cette série. Et moi, ma mémoire. Ouais, bon, hein, la mémoire de Punti, on la connaît. Elle est nagée, cordialement. Voilà. La direction. Oui. Et du coup, bah okay, ouais, du coup, j'ai fini la maison. Enfin, j'ai pas fini la maison parce qu'il nous manque le toit, mais ça va bientôt arriver. Parce que j'ai trouvé les pousses qu'il me fallait, donc j'ai fait pousser un arbre ici, donc voilà. Donc je l'ai trouvé. Et du coup, ouais, ça va. Le toit en tout cas sera bientôt fini. Je pense qu'on va faire ça dans le prochain épisode, je sais pas, parce que là on va rec plusieurs épisodes à la suite. On rec un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu. Pour avoir un peu vos retours. Voilà. Merci. Putain, j'en fais la même connerie. Hop, je défonce mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Alors je sais pas si ça s'entend sur le rec, mais on a fait un putain de gros bruit, genre POUM. J'ai défoncé mon bureau. Oh putain. Merde. Je sais pas, mais voilà. Et du coup, oui, il nous reste 3 minutes pour parler d'un truc. Alors, le truc que je parle tout le temps en fin de. C'est en fait, si vous voulez, avec Poon, Vosox et normalement Sevi, on va faire un Fallen Kingdoms. Oui! Alors là, on est pire que motivé. Et en fait, si vous voulez, bah, ça va arriver pendant, comme je disais, à peu près 3 semaines, dans à peu près 3 semaines, je pense. Hein. Ouais, ça doit être ça. Dans à peu près 3 semaines, on pourra commencer en tout cas de rec. Ah, ça va pas. C'est pas grave. Mais ouais. Ça va être dur en fait d'avoir tout le monde parce que moi, c'est pas compliqué. Toi, Poon, c'est pas trop compliqué. Le plus compliqué, c'est Fozox. Et Sevi, bah en fait, lui, Sevi, il peut que le soir. Ouais, mais je pense qu'il pourra se libérer une ou deux journées pour rec avec nous ce FK. Donc normalement le FK devrait se faire les équipes, je vous annonce les équipes, ça devrait être Punti et Vosox. Normalement ça devrait être ça. Et comment sinon ça devrait être Dorian, bah je vais pas l'appeler par son prénom, mais Sevi et moi. Normalement ça devrait être ça. Ou sinon ça serait Punti et un de ses potes de mon panda gang. Son panda gang. Et puis je pense que ce serait pas mal aussi comme ça parce que Vosox en fait on va avoir du mal à l'avoir. Donc si on l'a pas, ça sera comme ça. Par contre, si on l'a, bah, on fait avec lui, mais si on l'a pas, ça sera comme ça. Donc voilà, faut qu'on voit. Donc en tout cas, Fallen Kingdom à suivre. Ça, on va le faire, c'est sûr. C'est sûr et certain. J'ai tellement hâte. Ah, oh, pareil. La map en plus est bientôt finie. J'ai bientôt fini la map parce que la map a été réalisée par. Par Punti et moi-même. En fait, si vous voulez, Punti a fait tout ce qui est design de la grotte, donc le design de la grotte, design de la map, enfin, c'est elle qui a fait tout là-dessus. Et puis moi, j'ai fait tout ce qui est décoration spawn et tout ça, donc décoration de la map, donc voilà, on a vu une map à deux, c'est sympa. Mais on connaît pas la map, hein. Moi je la connais pas, enfin je la connais parce que j'ai travaillé dessus, mais je la connais pas par cœur, quoi, parce que la map, mine de rien, elle est énorme. Elle est vraiment énorme et les grottes je les connais pas, je suis juste allé voir pour vérifier et je sais que les grottes c'est des vraies grottes FK, elles sont super belles. Donc, ouais je sais. Et en plus, y a pas masse diamant parce que j'ai dit à Poon, rajoute pas le pourcentage de diams parce que j'ai pas envie que ça soit un FK cheaté. Du coup Poon n'a pas rajouté de n'importe quoi. Pourcentage de diamant et du coup voilà, ça devrait être un FK qui se passe plutôt bien. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vraiment du mal, moi. Et voilà, sinon, c'était vraiment un épisode blabla. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je galère. Tu vois, ici, on devrait mettre de la vitre. Hein. En fait, tu devrais laisser comme ça et on met de la vitre partout. Oui, c'est pour ça que j'ai essayé. D'accord.
c'est tout. Putain, j'ai encore oublié comment on faisait. Pour? Je vais me gourer. Ah non, c'est bon. Les portillons... le nouveau craft. Ouais. C'est chaud. Donc voilà, donc cet épisode est quasiment... Bah en fait, il est fini, là, donc on va devoir se laisser, non? Ouais. Bon, j'espère qu'on l'a pas fail cette fois. Non. Mais non. Pas de raison. Donc du coup, j'espère que vous êtes contents qu'on reprenne les vidéos. C'est voilà, c'est vraiment on reprend bien là. Donc là, cet épisode va sortir, je crois, demain. Ouais, j'espère que je pourrai le sortir demain. Salut toi. Bonjour. Et aussi, tiens, viens. Voilà, on a une vache. Oh ben merde. Viens, on va vite faire la maison. Salope. Pardon. Viens vite faire la maison. Oui. Ah, c'était à la maison. Et il y a un truc aussi que j'ai envie de dire aux gens. Alors, moi, j'ai déjà une petite idée pour le nom de la vache. Mais comment on va l'appeler, la vache, je ne sais pas. En fait, si vous voulez, on était comme ça avec Poon, et puis genre, c'était avant le rec. Genre là, t'as une petite vache qui arrive, genre coucou, et du coup, bah, on lui a ouvert, et elle est rentrée dans la maison. Mais sauf qu'on ne sait pas comment l'appeler. Voilà, c'est notre copine, et... Je pense que ça va être un petit peu notre... Marguerite, j'aime bien Marguerite. Ah, j'y ai pensé, parce que c'est dans quel film, ça, Marguerite? Je sais pas. C'est dans quel film, putain, je sais plus. Et j'y ai pensé, parce que je sais plus dans quel film c'est. Elle monte son cul, merci. En tout cas, on va voir comment on l'appelle, cette petite vache, ça peut être sympa. Du coup, voilà, donc un épisode vraiment très très blabla, qui se finit sur de la pluie, c'est pas très beau ça. C'est de l'orage, hein. Je laisse l'orage? Ouais, laisse l'orage, j'ai peur. Okay. On va laisser l'orage. Et du coup, voilà, c'est vraiment un épisode blabla, on a besoin de vous parler un peu pour mettre tout au clair. Je crois qu'on a rien oublié, parce que ça fait deux fois qu'on dit la même chose, du coup, ben... Je sais pas si on a oublié quelque chose. C'est ma copine elle-même. Okay. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je pense pas. Je crois pas non plus. Bon, en tout cas, je crois qu'on a mis tout au clair. Il faudrait qu'on fasse un toit, hein. Il fait un peu mouillé. Oui, je vais me planquer là, moi. Et du coup, on fera un toit dans le prochain épisode, je pense qu'on va faire ça comme ça. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce... T'as dû avec la couleur des pouces. Pouce violet, alors voilà, plus le pouce violet, qui remplacera le pouce bleu, on va dire que c'est ça, le pouce en l'air, voilà, le pouce en l'air, comme vous dites, pouce dans les jeux quand on était bébé, tu te bon, ok, salut. Ok. Du coup, là, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce j'aime, voilà, on va dire ça comme ça, ouais. À partager la vidéo, vraiment liker, partager, et puis laissez un petit commentaire, ouais, ça fait plaisir, on aime bien voir un petit peu vos. Wow! Voilà, il y a eu un orage, alors l'éclair est passé juste derrière nous, moi je l'ai vu. Du coup voilà. Et bah, je vous dis ciao tout le monde. Gros bisous. Ciao.